année pastorale 2022-2023, ayant pour thème « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent », notre Père Archevêque, son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin, a affecté un nouveau curé à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville. Il s'agit du révérend Père Eugène Awondji. Dans une allégresse totale que les fils et filles, amis et sympathisants de la vieille dame, ont vécu le dimanche 16 octobre 2022 dernier à la cérémonie officielle de l'inauguration du ministère de leur nouveau curé. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du premier magistrat de la commune de Trècheville, M. le maire François-Albert Amicha, de ses adjoints M. Arthur Moloko, M. Mbouke Jean-Roger, du géniteur du nouveau curé, de ses parents, amis et connaissances. Cette messe d'installation du 23e curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, plus que octogénaire, a été présidée par le révérend père Louis Nancho, officiel du tribunal de notre archidiocèse. Le père Louis Nancho, dans son homélie, a d'abord commenté les textes du jour. Par la suite, il a défini le rôle du curé selon le code du droit canonique. Le droit canonique parle de pasteur propre. Ça veut dire que le pasteur adéquat, le pasteur qu'il faut pour la paroisse. Et le droit dit que c'est sous l'autorité de l'évêque diocésain que le curé travaille. Terminant ses propos, il s'est adressé au nouveau curé. Les gens sont généreux. Les gens ici, là, ils sont doux amers. Ils sont doux quand tu es avec eux, quand tu te mets avec eux, quand tu partages leurs joies et leurs peines. Ici, là, c'est une famille, hein? C'est une paroisse famille. C'est comme un village. Il y a les gens que tu vas connaître. Aoubé. Et ils sont amers aussi quand tu es compliqué, quand tu ne les comprends pas, quand tu veux t'imposer. Mais c'est normal. Le chef doit souvent s'imposer. Après l'homélie, l'hémisphère de notre père archevêque a procédé à l'installation du curé selon le rituel suivant. La présentation du nouveau curé à l'Assemblée et la lecture de sa lettre de nomination. Cher père, j'ai le plaisir de t'informer de ton affectation à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville en qualité de curé. Je te remercie pour toutes ces années de service à la paroisse Sainte-Anne d'Abobo-Baoulé et te souhaite un apostolat fructueux à Sainte-Jeanne d'Arc. Profession de foi. Je crois aussi à tout ce qui est contenu et transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé. Le serment de fidélité. Moi, Awondji, Laurence Diombakwa Eugène Geoffroy, dans l'exercice de ma fonction pastorale de curé de la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Trècheville, je promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement. Que Dieu m'aide, ainsi que les saints évangiles que je touche de mes mains. À la différence des autres paroisses, où une clé est remise au nouveau curé, à la vieille dame, c'est plutôt l'épée de Sainte-Jeanne d'Arc qui lui est remise. Père Awondji, Laurence Diombakwa et Eugène Geoffroy, recevez l'épée de commandement de cette paroisse. Le curé a reçu les félicitations du père célébrant et de l'ensemble des prêtres présents. Le curé est l'animateur d'une communauté. Il est le garant de celle-ci. Par conséquent,
Elle lui doit fidélité et obéissance. Cette cérémonie a aussi enregistré l'allégeance de toutes les forces vives, entre autres le vicaire, les responsables des mouvements, groupes de prière, associations et chorales de la paroisse. Nous lui souhaitons la bienvenue et que le Seigneur lui-même l'assiste dans son ministère tout au long de sa mission sur cette paroisse de Saint-Jean-d'Arc de Trècheville. Et nous sommes très heureux de pouvoir accueillir notre nouveau curé, car nous savons que nous aurons une très belle entente et une très belle collaboration. Après la communion, les fidèles de la vieille dame ont tenu à exprimer leur joie à leur nouveau curé. Souhaitons bonne arrivée. Nous allons le soutenir, nous allons beaucoup prier pour tout son mandat, pour tout le long de son mandat à Saint-Jean-d'Arc. Les rites de fin ont été ponctués par des allocutions, celles du premier magistrat de la commune de Trècheville. Je voudrais remercier son éminence Jean-Pierre Cardinal Coupoint qui nous a fait venir ici l'aumônier diocésain des jeunes de l'archidiocèse. Nous avons besoin d'un pasteur. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous inculquer les valeurs de l'Église catholique. Mon père, cette mission, je pense qu'ensemble, nous la ferons. Du père curé, qui s'est axé sur les remerciements. Recevez l'expression de ma profonde gratitude, qui publie ici et maintenant la mémoire de tous les bienfaits reçus. C'est à Dieu qu'il convient de rendre grâce en premier pour ses merveilles, pour sa fidélité à nous ouvrir chaque jour le chemin du salut. Merci à la Vierge Marie, Notre-Dame du sacerdoce. Merci à son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutouin pour cette confiance traduite dans cette charge de curé que nous inaugurons aujourd'hui. I would like to thank the English community. May the Lord Almighty bless and facilitate our collaboration for an harmonious community. When love and truth meet, justice and peace embrace each other. Et enfin, du Père célébrant. Je suis Annabelle Kouakou pour l'inauguration du ministère du 23e curé de la paroisse Saint-Jean-d'Arc de Trècheville. Saint-Jean-d'Arc,